Je m'appelle Armande de Polignac. Je suis née en 1876 en région parisienne. J'ai grandi dans un univers cultivé et mélomane. J'ai passé mon enfance à Londres, recevant des leçons d'harmonie, de piano et de violon. À mon retour à Paris l'année de mes 16 ans, j'étudie la composition avec Eugène Gigou et Gabriel Fauré. À la Scola Cantorum, j'étais élève de Vincent Dindy, qui m'y a enseigné la direction et la composition. Peu de temps après, j'épouse Alfred de Chabannes-Lapalisse et met au monde notre fille unique, Edwige. J'ai voué ma vie à la musique et à la composition. J'aime travailler avec régularité, sacrifiant les plaisirs et le monde. J'ai beaucoup écrit pour la voix et le piano, mais je ne me suis limitée à aucun genre, composant de la musique de chambre ou symphonique. Je suis une des rares femmes de mon époque à diriger des orchestres et je suis également une proche collaboratrice de la revue Le Mercure Musical, pour lequel je tiens la chronique « Pensez d'ailleurs ». Mes voyages en Orient ont ouvert mes horizons musicaux et ont parfois inspiré mes compositions, comme dans ma suite symphonique « Les Mille et Une Nuits » que j'ai moi-même dirigée et dont j'ai réalisé cette version pour quatre mains.